pas de saison que t'as chaussé tes crampons d'aiglon. Même pas de saison et t'es déjà le patron. En taclant tu donnes une cadence à tes pas. Quand tu marques de la tête c'est avec le bras. Tu dis que les pieds qu'on t'a donnés sont pas faits pour ça. Pas pour faire les gris-gris de Maradona. Ok, t'es argentin comme Tevez, mais t'es pas une tarlouse comme Mucho la gonzesse. Et tu centres, 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 direct en tribune c'est. Et tu tacles, 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 c'est ta façon d'aimer. Mélange de Gavi Hines et de Basiboli. Retenez bien son nom, c'est Renato Sibeli. Et tu centres, 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 direct en tribune c'est. Et tu tacles, 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 c'est ta façon d'aimer. Un coup dans l'abdomen, un coup dans les parties. Retenez bien son nom, c'est Renato Sibeli. Yeah. Encore de la grande musique. J'ai commandé la musique, pas le gardien. Tu as débuté à la genelière avec un petit crochet à nager serre. De l'or dans les gants, enfin du plomb plus souvent. Mais quand t'es à 10 derrière, c'est bien suffisant. Guendy Asembe, il est si agile, c'est le king pour garder les buts de la Estancy. Guendy Asembe, il est si agile, un grand camerounais, géant noir aux mains d'agile. Oh! Gardien à Nancy, faut être balèze. Surtout avec la tactique de Jean Fernandez. Quand on t'exécute 20 tirs par minute et que les 4 défenseurs sont derrière les buts. Guendy Asembe, il est si agile, c'est le king pour garder les buts de la S Nancy. Guendy Asembe, il est si agile, un grand camerounais, géant noir aux mains d'argile. Merci, bonsoir. Le frappe marseillais. Taïwan, le but. Les plus belles dans ta laguna diesel, tu frites. Voilà. C'est pas touché. Non, c'est pas touché. Et quand tu joues pour l'OM, sous tes airs un peu balourds, tu tentes un vieux café crème. Tu te prends les pieds dans le yaourt. Quel four au Brandao. Tu nous rappelles Fernandao. Quand tu vises entre les poteaux, oh, oh, c'est trop à droite ou bien trop. Tu casses les appareils photo. Dans un voyage en Armorie, cheveux au vent, route de Pornic, je m'arrête en Ille-et-Vilaine, route de Lorient, le stade de Rennes. Qui est l'homme que la foule acclame? C'est Apam. Apam, c'est 1m80. Apam jusqu'au tour de Rhin. Il a réussi l'amalgame entre Dembélé et Mangan. Apam, tu le mets latéral, il te met des lattes, c'est toi qui râles. Les deux pieds décollés du sol, ramasse ta jambe et du synthol. Apam, fais pas dans la dentelle, son pied droit c'est un vrai scalpel. Le rouge pour Onyekachi Apam. Son pied gauche c'est que du bonus, il lui sert à monter dans le bus. Apam, c'est Apam. C'est pas très clair. On va mieux le voir peut-être ici si c'est bien un but contre son camp d'Apam. Oui, du genou, Apam qui trompe son gardien. Et cette image à l'intérieur, écoutez, regardez. Apam qui va encore en découdre.
Et c'est Apam qui dévie ce ballon rond. C'est Apam. Les nerfs ont craqué du côté d'Apam. C'est dommage. Après, je pense que peut-être ça a énervé Apam, mais derrière, il y a eu un coup. Et... Oh, il va pas prendre un rouge. Non, là, je suis pas d'accord. Il faut arrêter ça. C'est pas possible. C'est un scandale. Une petite chanson quand même pour ce CSA. Sur l'arrivée des Qataris, parce que quand même... ça change tout, quoi. C'est quand même eux le plus gros transfert de la Ligue 1 cette année, c'est le Qatar, sur une très belle chanson d'Indochine. Allez, musique ! Turban, moustache, épaule rose, le tout nouveau prince du parc vient d'arriver. Exit Bazin, pince de crabe et sinistrose, bienvenue à toi, chèque bidule, au nom compliqué. Allez, à bout le blé ! Pour Sirigou et Pastore, allez, rien à cirer, pas assez cher, garde la monnaie, c'est le Qatar qui paye. Les joueurs vont arriver par milliers, c'est le Qatar qui paye. On va les surpayer, les pieds carrés, allez. Qui paye, c'est le Qatar qui paye. Merci, bonsoir. Bravo. Je voulais parler d'un joueur d'Ajaccio dans la chanson Ajaccio, j'ai vu leur mercato. Alors, je sais pas si vous avez vu le mercato d'Ajaccio, les noms c'est Michael Charvet, Leti Ndiaye, Jackson Mendy, tu t'attends plutôt à ce qu'il fasse un dunk qu'une frappe des 20 mètres, mais bon. Et donc c'est officiel, le Gazélec, c'est pas Gazprom. Hein, c'est pas vraiment le même genre. Alors justement, il y a un joueur à Ajaccio qui est un breton pur jus, hein, qui est petit, qui est vif, qui est technique, et je voudrais lui rendre hommage avec une vraie chanson de marin. Allez, ça reprend les chansons ? C'est parti ! Oh. Yepa ! C'est un petit ailier droit, haut comme un poireau, Iseo, Samaritano, Valbuena, en moins fort, en plus gros, ça suffit pour jouer à Ajaccio. On chante à sa gloire de Valaconcarno, Iseo, Samaritano, 1m30 pour 62 kilos, entre Mickey Mouse et un tonneau. Dribble, qu'on frappe du droit, aura du poteau. Iseo, Samaritano, l'image peut faire la une des journaux. Mettez en trop petit sur la photo. Le stade Casanova, c'est pas San Siro. Iseo, Samaritano, te plains pas, au moins là il fait beau. T'aurais pu jouer à Jules Deschazos. C'est un favelier droit, droit comme un poireau. Iseo, Samaritano, dis-toi que Diego, il était pas plus haut. T'es un peu El Pygme des euros. Alors une petite chanson pour nos amis lillois, pour un joueur qui vient d'arriver et qui est la nouvelle star du Husk. Hey, y'a Joko qui plaît. C'est doux. Regarde Joko, c'est vrai que son transfert n'a pas coûté un sou. Y a Joko qui plaît assez doux. Si en plus il plante, c'est le jackpot pour les ventes. Y'a Joko qui plaît assez doux. Car Joko, c'est un pasteur avec le salaire des coulous. Y'a Joko qui plaît assez doux. Et la ville d'Ask
et il met le feu comme hasard. Comme hasard. Comme hasard. Et merci pour lui. Bravo. Et une dernière. Ah, une dernière sur mon, bah, mon joueur préféré. Un joueur du Paris Saint-Germain. Deux chansons ce soir. Oui. Ah, c'est comme ça. Oui, parce que j'ai envie, on régale. Ok. Et une chanson sur mon joueur préféré au Paris Saint-Germain et qui j'ai envie de rendre hommage. Allez, c'est parti. Hey. Salut les copains, j'ai envie de danser le zouquet. Ah, attends, attends, on l'a remis. Je suis comme lui, hein, je suis à la rue. Hein. J'adore. Je vais la refaire. Est-ce que vous êtes là, musique? Ça sera coupé au montage, on n'est pas en direct. Non, vas-y, c'est bon. Allons-nous laisser tout rater, tout planter, tout casser. Allons-nous à ce poste chaque année désespéré. Après la Spalma, Conda, Drame et Didier Domi. On a trouvé pire que Tanasi et Kennedy. Si pour la Cagna un espoir qui part avec la Côte d'Ivoire. En février, ça sera trop tard. En attendant, c'est un cauchemar. Saka tienné, cadencé, piétiné, sauté, cascadé, roulé, boulé, les deux pieds décollés. Saka tienné, largué, mal placé, pied carré. Sur corner, on l'a trouvé. Au marquage d'un stadier. Ouais, merci, Sir. C'est un joueur de Sochaux qui... qui a été un peu décevant, mais... Et j'ai envie de lui demander... Quoi, ma gars? Qu'est-ce qu'il a, ma gars? Le doux, ça lui plaît pas. Moins 15, c'est pas si froid. Peugeot, c'est le Disneyland d'ici. Il fait noir de jour comme de nuit, mais des fois sur un coup de folie, on arrive à trouver du gris. Quoi, ma gars? Qu'est-ce qu'il a, ma gars? Allez. Oh, mon Béliard, c'est super. Oh, on dirait Manchester. T'es un peu le Freddy Canouté de Sochaux, la jugeote en moins. C'est vrai, quand on l'entend parler, il a pas vraiment l'air malien. Quoi, ma gars? Mais qu'est-ce qu'il a, ma gars? Quoi, ma gars? Qu'est-ce qu'il a, ma gars? Je me présente, je m'appelle Samy. Je voudrais bien réussir à Paris, être aimé. Arrêtez de passer pour un gland. Je veux plus cirer le banc. Mais pour tout ça, il faudrait que je joue une mi-temps. Je suis défenseur, plutôt axe droit. Je veux mettre des putres, mais ça rentre pas, rentre pas. Et puis malheureusement pour moi, quand ça rentre, c'est chez Apoula. Voilà pourquoi au PSG, je ne joue pas. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi. Qu'Antoine ne m'ignore plus comme Papus Camara. Qu'il me fasse jouer à côté de Jallet. Qu'on s'arrache mon maillot, qu'on en fasse un trophée. Je veux que tous les tifos d'habitude pour Néné ne soient plus que pour moi. Et je l'aurais bien mérité. Puis quand j'en aurai assez de rester leur idole, j'irai signer un contrat au FC Barcelone. Je flipperai mes yeux, je ferai mes adieux. Et puis l'année d'après, je recommencerai. Et puis l'année d'après, je recommencerai. Liga Ligata, Liga Ligata. Allez, allez. Liga Ligata, Liga Ligata. Allez, on serre, on serre. Yalikata, allez, allez. On serre, on serre, on serre. Yalikata, Yalikata. Au Maconda, au Maconda, il joue pas tous les soirs. Et quand il entre en jeu, c'est tout de suite un cauchemar. Au Maconda, il joue pas tous les soirs. On pourra pas le fourguer même pour quelques dollars. Au Maconda, da, da.
la chose. Ah belle bagouze. On dirait Matt Pokora sur la pelouse. Quand il tente un tacle, c'est ta jambe à toi qui craque. Ramasse tes os, c'est plus dimanche de Pâques. Un Gondorak, façon Polak. Quand il fait un dribble, c'est le défenseur qui fait une plaque. Ah, Aubraniac. Ah, c'est Aubraniac. Ah, c'est Aubraniac. Aubraniac. Wouh. Yeah. Ah, c'est Aubraniac. Ah, c'est Aubraniac. Ah, Aubraniac. Cascade de dribble, Julie, Julie, Julie. Tu feintes sur la gauche, tu feintes sur la droite. Cascade de dribble, Julie, Julie, Julie. C'est vraiment l'attaquant qu'il nous faut à Paris. Jean-Pascal Mignot, c'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux que Lucio, que Lucio. Jean-Pascal Mignot, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que Sacco, que Sacco. Jean-Pascal Mignot, c'est le meilleur des défenseurs centraux. Oh, 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 quel pied gauche, Jean-Pascal Mignot. Oh là là, Théo! Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a complètement fondu un boulon, Théo! C'est Pedretti et Roy Cantou qui s'élance et frappe le coup franc. Ça déborde côté gauche et c'est le Talet qui reprend. C'est Pedretti et Roy Cantou qui s'élance et frappe le coup franc. Ça déborde côté gauche et c'est le Talet qui reprend. Hey, et musique. Allou, allou, monsieur le défenseur, juste devant la charnière en récupérateur, c'est vraiment le capitaine au grand cœur de tous les Bordelais, c'est vraiment le meilleur, c'est bien la 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 Bordelais, la 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 la, c'est bien la, c'est bien la. Du cop de la S Nancy chante encore pour Michel Platini. Oh, 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 la lumière du stade de la S Nancy. On s'est naufragé les habitants de la Lorraine. J'ai plus d'appétit que Jamel Bakar. Jamel Bakar. On me donne ce Messie ou bien la lumière. On me donne ce joueur qui nous donne la flamme. Oh, un guingamp l'anthracite et la couleur primaire. Mais l'arc-en-ciel surgit quand arrive ce Kidam. Yeah. On lui donne une cheville pour qu'il aime dribbler.
On lui donne des yeux pour qu'il ait la vista. Oh, pour qu'il aime centrer, qu'on lui donne un orteil, un pied tout simplement, pour qu'il tire quelquefois. On a tout donné pour avoir l'Angile. On a même vendu les domaines, les presqu'îles. Faut dire que mal au pied, il est facile. Même le grand Yatabaré est moins habile. En plus, il a du style. Comme un arabe de l'Angile. J'ai envie d'avoir l'Angile. Après, je vous laisse tranquille. Oh, le cinquième but, Guingampais. Allez, pour la route, histoire de clôturer le festival, il est magnifique. Steven Langille à 20 mètres, une frappe du droit dans la lucarne. Pouplein n'a pas bougé. Sochaux va avoir très très mal à la tête. 5-1 pour Guingamp, c'est quasiment fini. On a tout donné pour avoir l'Angile. On a dû contraindre Imoula à l'exil. On a sacrifié chacun une de nos filles. Une statue grandeur nature, tout en argile, en plein milieu de la ville. Oh, Colonna de l'Angile, j'ai envie d'avoir l'Angile. Après, je vous laisse tranquille. Oh, t'as pas compris? Je veux l'Angile. Oh, oui, je veux l'Angile. Je veux Steven l'Angile. Colonna de l'Angile, j'ai envie d'avoir l'Angile. Après, je pars sur une île. C'est terminé avec la victoire totale des Bretons. 5 buts à 1 face à Sochaux. Les buteurs, Mandane, Bobu, Attic, Sancaré et à Steven Langille. Jean-Michel Arquet, c'est sur RMC. Jean-Michel Arquet sur l'équipe TV. Jean-Michel Arquet, maintenant t'es largué. Jean-Michel Arquet. Antofilou, ça va faire mal ce soir. Antofilou, ça va faire mal ce soir. Et attention à son tir sous la barre. Plus rapide et précis que Jamel Bakar. Et puis c'est pas du genre à attraper le cigare. Même quand il joue dans le stade, voilà. Toi, filou. Toi, filou. C'est ma terre, le Valenciennois. Ya 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 ya. Quand tu files sur le côté droit, qu'on ne le touche pas. Oui, c'est ma terre, le Valenciennois. Ya 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 ya. Quand tu centres pour Da Silva ou pour Samassa, pour Samassa. Allez, 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 allez. Et le gitan qu'on ne reconnaît pas, il aurait pu être un goléador, un chasseur de but ou un soulier d'or, mettre une lucarne, un tir en pivot. À la place de ça, il a un pied beau. Le gitan, le gitan, le gitan qu'on ne reconnaît pas. Les rêves, les mènes. Alléluia, les rêves, les mènes. Alléluia. Non mais t'as vu cette frappe? Arrête la cité cap. On est là du Stade Rennais. On est route de l'Orient. Je regardais Romain danser sur le couloir gauche qui débordait à la route de l'Orient. À la route de l'Orient. Il ne pleut pas dans les travées. C'est les reines qui pleurent de ne rien gagner à la route de l'Orient. À la route de l'Orient. Montagne aux dents et manjek. Montagne aux dents et manjek. C'est de la technique top. C'est de la technique top. Tu, si tu passes Romain Danzé, il reste manjek. Il reste manjek. Ouh manjek. Ouh ouh manjek. Voilà néné. 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 Il dribble à merveille, c'est pas de fusée, le jeu s'éclaircit. Dès qu'on s'endort, il sonne le réveil, il nous fait rougir de plaisir. C'est Brésil. Voilà néné, hop néné. Fanny aime les chaussettes Armani. Les chaussettes Armani de Fanny donnent à ses deux pieds un style chaloupé, même quand il déborde. En chaussette Armani, il se prend les pieds dans le tapis, mais on l'aime Rod Fanny.
le pied de Zarate, qu'on se le dise, marquera cette année une valise de but à l'Inter, la Juve, la Sampdoria, il est plus précis que le pied gauche de Maradona. Allô? C'est le monsieur de la dernière fois. Écoute, Armand est près de toi. Il faut te dire que Armand, c'est quelqu'un pour toi. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui de bien viser les dents quand il défend. L'os du péroné pleure quand il vise le tibia. Relance tranquille du gauche et même du droit comme Camara. L'os du Féronet pleure, rien ne l'arrêtera. Une pensée pour le nez de Valbuena. Je suis amoureux d'un joueur sauvage, le vide absolu peint sur son visage. C'est gris-gris, pied droit, en voûte Bolton, c'est tiré, écrasé, bluff Wolverhampton. Anelka, j'ai envie de jouer avec toi, de me faire insulter. Anaïssa, qui en, oui, encore maltraite-moi. Anelka. N'oublie pas si tu joues samedi d'être plus fort que j'allais. Si Néné te fait ses gris-gris, découpe-le, fais-le chialer. Et si la ligue te condamne à 3 matchs de suspension, il y aura toujours le Vren. On est solidaires à Lyon. Pas Chris ou Claude Puelle qui ne te titularise pas. Gassama, comme je t'aime, et on te délivrera. T'inquiète pas, le Jean-Michel, tu verras, il te prolongera. Tu galopes comme un cheval au trot. Bagayoko, lâche ta balle, tu fonces dans le poteau. Bagayoko, au stade du Rennes, t'es un héros. Change pas mon gars, fais-nous des dribbles et des gris-gris, nous on adore ça. Hey Marshall, nous voilà. Stéphanois, le meilleur de Geoffroy Bourgeois du monde. On n'en attendait rien de Damien Plessis. Un Lyonnais, un petit jeune de plus qui finit en réserve. Il sire pendant 2 ans le banc de Liverpool. Mais en Grèce, il s'échaîne les foules. Oui, Damien Plessis. Oui, perds pas ton temps à 22 ans. À Nice, à Bordeaux, à Lorient ou à Nancy. Oui, Damien Plessis, rien à cirer de la formation. L'équipe de France, l'équipe de Lyon, c'est non merci, Damien Plessis. La Seine Tourée, c'est notre petit Brestois préféré. La Seine Tourée, bronzée comme une galette beurre salée. La Seine Tourée, dribble court, frappe du gauche enroulé. Même si ça sort, nous dans les Côtes d'Armor, on l'adore, la Seine Tourée. Brian Dabo en conf de presse, Priolo pour Pierre Ménès. Il a dit t'as pas minci, sauf le melon qui s'épaissit. Ah ah, Brian Dabo est un salaud. Brian Dabo en mise au vert se promenait dans le vestiaire. Comme sa serviette était trop petite, on voyait dépasser ça. Ah ah, Brian Dabo. Oh oh oh, pas bien caté, toujours bien placé. Oh oh oh, pas bien caté, prêt à découper. Oh oh oh, pas bien caté, oula j'ai glissé. Oh oh oh, pas bien caté, ramasse tes mollets.
cause des versants. On nous met gonalon, même en Ligue des Champions. Cause des versants. Il nous coûte du pognon et il est tout bidon. Cause des versants. Les Brésiliens à Lyon, c'est fini pour devant. Cause des versants. On passe tous pour des cons. À cause des versants. Je le cherche vainement. Même l'équipe d'Arlavignon n'a pas voulu. Lui qui a fait rêver le vélodrome, le stade du Ray, le tibia d'or 2006 a disparu. Pense à toi. Ouh, ils sont partis pour gagner. Ouh, mais ils ont l'Ovrendia caté. Tout l'Alambasto, c'est piadique. À l'entraînement, c'est magnifique. Mais en match, c'est pathétique. Ouh, je crois que je vais chialer. OL, OL, Claude Puel abandonné. OL, OL, tu veux pas démissionner. Monsieur, j'ai connu Sacco, Lénerding et Waro. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie, autant béni de colonies. Centre enroulé dans les... remis de la tête, 2000 volets dans la lunette. On se croit y voir jouer le Brésil, autant béni de colonies. On pense encore à toi, au bazin. On t'aime tous en Paris Saint-Germain. Y'a pas de pognon, pas de public, pas d'ambiance. Au parc, on est 3000 à tout casser. On danse, on pense encore à toi, au bazin. Le type, ça sera pour l'an prochain. Hey, en Valverde, sur une toile, sur un centre en retrait, une glissade avant de dégager. La peur se lit sur son visage. La balle est rentrée, c'est pas vrai. En Valverde, une occasion, plus que c'est un beau ratio. Tu vas finir à la AS Monaco. Une carrière à la Robin Huck ou à la au Valverde, quand je pense à Fernando, je bande. Quand je pense à Siani, je bande aussi. Quand je repense à Wiltor, mon Dieu, je bande encore. Quand je pense à Planus, là, je bande encore plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Je préfère Mathieu Bonnel. C'est juste une question de tempo. Il n'y avait pas la suite. Des basket kickers, un maillot vert. Manteau, c'est Liu, Ginège, écharpe marron clair. Perruque en peau de fesse, un peu comme Zizou. Il est moins technique que lui, mais plus que Mazou. C'est Batlesca marqué. Il est si agile à 35 ans passé. Tu sais, c'est pas si facile. C'est Batlesca marqué. Il est si agile dans la sur le côté. Tu sais, il est bien utile, ouais. Voulez-vous danser, grand-mère? C'est Fred Antonetti. Ouh, il est au stade René. C'est Fred et son Fred. L'Olympique de Marseille, c'est un club que l'on aime à jamais. Chaque fois c'est pareil, quand on arrive en Ligue des Champions, un petit tour et puis s'en vont. C'était pourtant une merveille, l'Olympique de Marseille. Oh oh oh, pas bien caté, tu nous fais gagner. Oh oh oh, pas bien caté, jamais débordé. Oh oh oh, pas bien caté, sur coup de pied arrêté. Oh oh oh. Oh, pas bien caté, toujours bien placé. Liga, ligata, liga, ligatam. Ohé, ohé. Liga, ligatam, liga, ligatam. Ohé, ohé. Obam. Obam et Yang, ohé, ohé. Obam, 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 obam et Yang. On ne peut pas l'arrêter, ohé, ohé. De foncer, 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 foncer. Obam.
Aubameyang, ohé, ohé, Obama, 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 Aubameyang, comme un boulet, tête baissée, ohé, ohé, on n'a pas trouvé le bouton marche arrêt. C'était l'occasion de changer de partenaire, Sanogo, Baki Sako, de tenter autre chose que des grands ballons en l'air, Nicolita, Sidi Sagna, sur mon côté, je frappe les yeux fermés, fermés. Devinez, devinez, devinez qui je suis. Sur un coup de peau, le ballon peut rentrer, rentrer. Aujourd'hui, tout me réussit. Aujourd'hui, tout me réussit. Oh bam! La frappe de Gamero, le but! Il marche sur le ballon, il tape, c'est complètement raté à côté! Dans la surface de réparation, le tacle assassin du Montpellier, mais touche pas Gamero! Tu joues au moustoir, tu dois trouver la flamme qu'il faut pour pas dégager au premier mercato. Quand ton meilleur joueur c'est Amalfitano, toutes les semaines tu régales des made in Portugal, Portugal, et tu fais rêver tous les grands clubs de football. Milan, le Real, le Barça, Liverpool. Pourquoi aujourd'hui je suis fatigué? C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais crier: touchez pas Gamero! Le moustoir lui colle à la peau. Touchez pas Gamero! Il lâchera pas son maillot tango. Touchez pas Gamero! Gamero! Y'a pas mieux que Jérémy Mathieu pour jouer latéral gauche, même s'il est un peu moché. Y'a pas mieux que Jérémy Mathieu. Il faut qu'il joue coûte que coûte, même si c'est un rook-moot. Y'a Clichy, j'ai Clichy dans la colle. À la place de Clichy, je retournerai à l'école. Y'a Clichy, t'es devenu citizen, mais si t'étais citizen, t'aurais pas quitté Arsène. Y'a pas mieux que Jérémy Mathieu pour jouer côté gauche, même s'il est un peu moché. Y'a pas mieux que Jérémy Mathieu. Quand tu remues sa caboche, ça fait pas un son de cloche. Y'a Evra, Evra et patatras, et abracadabra, il est déjà plus là. Y'a Evra, Evra et patatras, sois pas triste Evra, un jour tu reviendras. Mais y'a pas mieux que Jérémy Mathieu, car il pleure pas... car il pleure pas, car il se plaint pas. Et y'a pas mieux que Jérémy Mathieu, car comme on dit chez toi, dans le doux, abstiens-toi. Et y'a pas mieux que Jérémy Mathieu, il a une tête de pioche, mais pas une tête de mioche. Et y'a pas mieux que Jérémy Mathieu, c'est un peu le plateau, je tourne les arrières gauche. Yes, papa! C'est pour toi. Abdoumeite! Cher Abdoulaye! Qui peut t'arrêter? Lorsque tu cisailles! Abdoumeite! Oui! Belle Abdoulaye, le scalpel au pied, tu vises les entrailles, Abdoumeite. Belle Abdoulaye, comme t'es ivoirien, quand tu tacles le braille. Faut la comprendre celle-là. C'est la puissance de Robocop, mais délicat dans la fracture.
Comme on désosse une antilope, tu déboîtes ta colle du fémur. Pour un high-kick en pas chassé, sectionnant l'artère fémorale. C'est tout le stade qui va chanter comme un seul homme à l'hôpital. Allez tous ensemble, à tout technique que j'aime. Que j'aime, c'est la fée. Elle vient du froid, elle vient de tout. Ses dribbles ne sont jamais les mêmes. Quand Sylvie volte sur la pelouse, à mon billard, faut une petite laine. Sauf en été, il fait que moins 12. Sous les crampons, il met des chaînes. On se croirait au trophée Andros. Il y a 20 ans, près de Colmar, des berbères lui donnaient le jour. Les mois de 17 et les espoirs. Et puis les Fedech par amour. Et Sochaux se maintiendra tant que jouera. Boudouze, boudouze à chaque match, il se déchaîne. Pour Méga et pour Roudet. Reprise de volée, il enchaîne. Sur un centre de David Sauger. Wow. Oui, son chose maintiendra tant que jouera. Bout, bout. Momo Sissoko, il me fait peu penser. Excuse-moi, il me fait penser à mon oncle. Parce que, tu sais, mon oncle, quand il va au bistrot, à peine arrivé, il prend un jaune. Bah, Momo Sissoko, c'est pareil. Et après, on a quelqu'un qui, d'un coup, en général, s'il en prenne la deuxième. Parce que ça tourne mal. Non, mais c'est vrai que Momo Sissoko, au début, il prenait un carton dans le premier quart d'heure. Après, au bout de 10 minutes, maintenant, il en prend au bout de 5 minutes. C'est le pire en pire. Mais à mon avis, il peut faire mieux. Il a appris que le record a été détenu par un bouchin nord-irlandais qui joue en amateur dans une équipe de la banlieue de Belfast. Et il a dit, je peux relever le défi. Parce que Momo, il est chaud. Hein. Momo, quand il est né, il est sorti les deux pieds en avant dans la tronche de la sage-femme. C'est le seul mec qui est né à retardement les deux pieds décollés. Il a fait une césarienne à coups de talon. C'est hyper rare. On pense à toi, Momo. Et justement, j'ai une chanson. Une chanson pour lui. Sur notre, une chanson en douce hein, sur lui, évidemment. C'est parti. Je marche tranquille sur le joli gazon vert. Et là, qui me taque par derrière. Je drippe peinard à l'entrée de la surface. Et voilà la jambe qui me terrasse. J'ai mal au tibia, j'ai mal aux chevilles. Je vais finir sur des béquilles. Aïe aïe Momo, Momo. Aïe aïe j'ai croisé Momo Sissoko. Aïe aïe Momo, Momo. Aïe aïe Momo, Bobo. Je voulais faire une roulette à la Zidane. Et Black arrive Jackie Chan. J'ai tenté un crochet à la caca. Et Black arrive Chewbacca. J'ai mal à la hanche, j'ai mal aux genoux. En fait, j'ai un peu mal partout. Aïe, aïe, Momo, Momo. Aïe, aïe, j'ai croisé Momo Sissoko. Aïe, aïe, Momo, Momo. Aïe, aïe, Momo, Momo. Merci pour lui. Oh, oh c'est magnifique, c'est des plus belles. C'est des plus belles, Julien. Allez, une dernière. J'ai une dernière sur... c'est la troisième, hein. c'est sur un Lyonnais. Allez, c'est parti. De Gerland à Madrid, championnat ou Champions League, le plus puissant des milieux. Du tout l'allant, en moins lourd, en moins vieux. Ouais! Juste une traite sur la tête,
un costard de chez Célio, c'est le Lyonnais le plus beau. Même s'il a la tête de Pierre à l'enfant. Go, 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 Nalon, et l'aventure continue. Go, 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 Nalon, toujours gagnant, a vaincu. Go, 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 Nalon, ton ennemi Saint-Étienne est vaincu. Go, 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 Nalon, des deux pieds il est habile. Go, 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 Nalon, de Thiago il a le style. Go, 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 Nalon, de Domenech il a les sourcils. Allez hop le bébé, moule frit au petit déjeuner avec la bière qui fait rôter dans son biberon comme un repas pour bien s'entraîner. On n'a rien trouvé d'aussi bon pour en faire une graine de champion. Allez hop le mouflé, gratte la balle avec les pieds, les mains tu les gardes pour pisser ou pour voir ton picon, petit con morpion. On est le pays du ballon rond, pour se doper on se pique. À la lèvre, à la gueuse lambique, ouais! Et des nazars! Et des nazars! Allez! Et des nazars, 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 et des nazars! Ouh! Allez! Et des nazars! Merci, bonsoir, une fois! Tu peux pas la refaire? T'es complètement parce qu'il nous reste une minute 43 là. Alors, allez, je te la refais si tu veux parce que elle est allée tellement vite. Attention, allez. C'est reparti. Ouais, c'était punk, hein. Il t'arrive. Allez hop le bébé, moule frit au petit déjeuner avec la bière qui fait rôter dans son biberon comme repas pour bien s'entraîner. On n'a rien trouvé d'aussi bon. Pour en faire une graine de champion. Allez hop le mouflé, gratte la balle avec les pieds, les mains tu les gars pour pisser ou pour boire ton picon, petit con morpion. On est le pays du ballon rond, pour se doper on se pique. À la lèvre à la gueuse lambique, et c'est reparti. Et des nazars, et des nazars, et des nazars, zar, 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 et des nazars. Tous ensemble. Et des lasers. Et voilà. Bon. Voilà. À bientôt dans les bacs. À vite. T'es plus fort qu'André Ayou, plus beau que Benoît Giroud. Une antilope à deux pattes. Tu nous rappelles Fabrice Pancrate. Vivacité imparable. Comme Cluzet dans Intouchable, Néné Pastor, c'est du vent. Pourquoi t'es toujours remplaçant? Hey! Hey oui, il arrive, accélération! Accélération sur le côté droit, oui! Il est seul face au but! Oh, il va marquer! Oh non! I love you, Baebek. Vas-y, fonce, t'es plus fort. I love you, Baebek. Encore un petit effort. I love you, Baebek. T'auras le talon d'or. Ouais! I love you, Baebek. T'es un noir cocanu. I love you, Baebek. Qu'aurait perdu la vue. I love you, Baebek. Les gradins, c'était bu. I love you, Baebek. Avec les Qataris, I love you, Baebek. L'avenir te sourit, I love you, Baebek. Une mascotte à Paris. Je voudrais terminer ce CSA par l'intermédiaire d'un grand supporter du PSG qui a vécu un grand malheur hier soir, qui a mangé la merguez par les deux bouts, qui en a plein les boulettes à couscous, mais qui voudrait rendre hommage à un joueur qui lui a été irréprochable sur le terrain malgré la défaite. Et il veut lui chanter une petite chanson pour lui rendre hommage à ce joueur qui était formidable. Allez, on est parti. Raquets sont jolis, les tacs de match, lui dit. Laï, 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 laï. Raquets sont jolis, les tacs de match, lui dit. Laï, 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 laï. Arrivé tout droit du Forez en juin dernier, c'est pas la suie du fond des mines qui l'a tout bronzé.
d'origine congolais. Cet enfant de Fontenay est venu au PSG pour nous régaler. Ah, qui sont jolis les tacs de Matuidi. Laï, 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 laï. Ah, qui sont jolis les tacs de Matuidi. Laï, 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 laï. Même à Paris, il reste vert, un vrai colo. Il touche pas le gazon et coupe le pied, le crampon bien haut. Toujours cavalier, la langue tirée, un vrai chien de berger qui n'aboie jamais. Ah, qui sont jolis les tacles de Matuidi. Laï, 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 laï. Ah, qui sont jolis les tacles de Matuidi. Laï, 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 laï. Sissoko lui à tes côtés peut mettre la fièvre, un potentiel à terminer au quai des orfèvres. Toi tu fais la première lame, celle qui les fait sursauter. Lui sort le sécateur pour tout découper. Ah qui sont jolis les tacles de Matuidi. Laï 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 laï. Ah qui sont jolis les tacles de Matuidi. Laï 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 laï. Nicolita, un roumain plutôt cool, pas un voleur de poule, ramène Nicolita. C'est un romain enragé, mais même pas arrangé, oh oui, Nicolita. À droite, il fait la loi, corte plus, corte fait mon gars, Nicolita, 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 Nicolita. Arrivé chez les Verts, ce rhum vaut trois rivières, Nicolita. Il oublie les strass, et puis paillettes, Nicolita. Grâce à lui, Saint-Thé joue à guichard fermé. Oh oui, Nicolita, 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 oh Nicolita. On le surnomme ici Romain Michel Platini. Oh oui, Nicolita. La technique de l'ange vert, la tête de géant vert. Oh oui, Nicolita. C'est un peu de Johnny Rep, mais pas vraiment de Johnny Depp. Oh oui, Nicolita. Stade, on fait la ola. Dès qu'il marque un but banal, Nicolita. Pour l'instant, ça fait que toi, mais c'est déjà ça. Il est habile comme un chat, et ah, il a rendu chèvre Patrice Evra. J'ouvrirai les frontières pour toi, oh Nicolita. Yep! Un peu plus fort la musique. Quand t'es ancien orienté, que tu veux pas végéter, il faut te faire transférer dans la belle équipe à Dédé. C'est bon pour le Morel, c'est bon pour le Morel, c'est bon pour le Morel. C'est bon pour le Morel, le plus beau des latéraux, dribble à la Leonardo, mais faut pas qu'il en fasse trop, ils ont l'habitude de Taïwo. C'est bon pour le Morel, c'est bon pour le Morel, c'est bon pour le Morel, c'est bon pour le Morel. Jérémy, oh oh oh, c'est lui, oh oh, Jérémy, Jérémy, pour la vie, pour la vie. Eh ouais, tous avec Jérémy Morel, qui est bandé sur la côté gauche. Ah oui, c'est lui qui mané la morosse, et frappé centre. La tête de Laurent Robert, qui a mangé Axel Boer. Encore un peu de crème solaire, était le roi de la canne et bière. C'est bon pour le Morel, merci, bonsoir. Un petit but à la Mosson. Il y a du jeu, il y a des rites, des occasions. Et Giroud avec ses frappes et ses petits ponts. Vive Michel Mézi et Nicolas, les gros patrons. Allez, viens prendre un petit but à la Mosson. Carton jaune, carton rouge et saucisson. Et Giroud, le Drogba blanc en pleine action. Vive le championnat et bientôt la Ligue des Champions. Et ici les petits merdes ont la vie dure. On sait comment Loulou traite les ordures. Mais quand il t'accueille sur sa belle pelouse, tu seras toujours le bienvenu, même si t'es une terlouse.
choses. Chez nous, on a trois l'accent pointu. Sauf les crampons qu'on vous met dans le cul. La parole verte à toute saison. Pas de langue de bois chez nous, on a la langue de Croustillon. Et viens, prends le petit but à la Mosson. Et allez, vendez des drites des occasions. Merci, bonsoir. Kembo et Coco. Kembo et Coco. Kembo et Coco. Le stade rennais te colle à la peau. Ton prénom c'est J.R.S. Comme lui, tu manques pas d'adresse. Et lui, avec son pied droit. Mais toi, dans ton agenda, manque pas d'adresse, bon laisse tomber. Sur un malentendu, ta frappe est finie dans le but. Ouais. Vas-y et Coco. Hey. Kembo et Coco. Passe pour Montagno. Quand il parle, c'est pas Victor Hugo. Hey, encore une fois. Vas-y et Coco. Vas-y et Coco. Vas-y et Coco. Le stade rennais te colle à la peau. Merci, bonsoir. On a Lille, nos landrous. On a Lille, nos landrous. On a Lille, nos landrous. Allez, c'est parti. Laissez-moi vous conter l'histoire d'un Burkinabé. Le sourire d'Eddie Murphy, les oreilles de Mickey. Un peu chien fou mais sympa, comme disent les Marseillais. Il pourrait être plus tranchant, mais il a trop de prise au vent. Cabaret. Il déboule sur la pelouse. Avec lui on est à 12. Il est du Gabon, il arbore le 5 sur son maillot. Sans lui il n'y a plus de Gabonais à ce numéro. Il nous vient du scope à la femme indienne, le club d'Angers. Et quand il arrive, faites attention, attention d'Angers. Puis tu dis bon vent, tu t'enivres au parfum de l'Orient. Et tu fais confiance à ton agent. Tu signes à l'Orient. Le jeu a une touche, le tiki-tata, même sous la douche. Tu lui balances un grand coup de babouche, direct dans la bouche. Bats-toi et couais les mangas. Tu sais que c'est long une carrière. Bats-toi. Où tu finiras dans un club en bois du genre Istre ou Boulogne-sur-Mer. On a tous quelque chose en nous de Léo Messi. J'avais sa coupe de cheveux, mais c'est fini. Gilbert a son côté béni, oui, oui. Daniel, il a sa taille et c'est tant pis. Quelque chose, Lionel Messi. Didier, Polo, Fredo et mon Fifi. Ils ont un peu son style en boîte de nuit. Tout seul au bar avec un bon jus de fruits. Quelque chose, Lionel Messi. Lionel Dian, son prénom, ça lui suffit. Jérôme Thomas, il a, au fait, c'est qui? C'est qui Jérôme Thomas déjà? Messi! Messi! Quelque chose, Lionel Messi. Merci, merci. Ça l'a été exceptionnel. Bravo. Tu coules ta bielle en Biélorussie. Toi coules ta belle, la coulette aussi. Mais quand on short au football, en dessous de moins 20 degrés, ça fait les bonbons qui collent un petit peu au papier. Il est tout en bois, ton petit chez vous.
comme ton championnat. Et alors du coup, tu t'es dit à quand la gloire, mes chéris, allons-nous-en. S'il nous reste un espoir, c'est la gloire à Caen. Aurélien Montard, où tu vivais heureux, t'aurais jamais dû te barrer de l'Oural. Aurélien Montard, où tu vivais heureux, t'aurais jamais dû venir chez les bouses. Adieu l'air glaciaire et les stalactites qui pendent comme des vers au bord de la marmite. Adieu aussi jolies blondes aux jambes qui nous font voir double et nous font le tour du monde. Pour un peu moins de 100 roubles, maintenant tu galères au stade Malherbe. Ça sent le camembert, les vaches et puis l'herbe. Mais sans te casser le moral, si tu renifles un peu mieux, derrière l'odeur du calva, ça sent la Ligue 2. Aurélien Montard, où tu vivais heureux, t'aurais jamais dû t'éloigner de l'Oural. Aurélien Montard, où tu vivais heureux, t'aurais jamais dû venir chez les bouses. Iniesta vrai 10 du Barça a les pieds tout crochus. Il tripote la balle, il agace et file droit vers le but. D'une pichenette à juste sa passe pour Villa qui l'a vu. On dirait un genre de Valbuena mais le talent en plus. Dribble comme ça c'est défendu, oh c'est indécent. Une passe à l'aveugle d'un pointu, pas où tu l'attends. Le Real s'est tout déglandu face à ce géant. Le soleil lui brille dessus, même s'il est tout blanc. Iniesta, vrai 10 du Barça, pas assez reconnu. Dites jamais que je vous ai dit ça ou Guardiola me tue. Oh, ça c'est pas Messi, mais sans lui Métis c'est nu. Allez, so, ça c'est pas Messi, mais sans lui Métis c'est nu. C'est pas gagné, hein. Moi je connais deux frangins qui jouent à la commanderie et font du soir au matin des gens, des petits ponts, des râteaux, des gris. On dirait qu'on a cloné le père a béni Pelé, trois pelés et un tondu. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, lélé. Faut pas les chauffer, ils peuvent se casser les reins avec un seul crochet. Frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, lélé. Si t'as pas assez dans ton porte-monnaie, ils vont finir par se casser. Si Fergie fait coucou, ils iront à Manu. Si José les régale, ils iront au Real. Si Bepi leur donne ça, ils iront au Barça. Et si Carlo, à nos Barça. Frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, lélé. Faut pas les chauffer, ils peuvent te casser les reins avec un seul crochet. C'est de talent du Ghana, au-dessus de la normale. Quand ils distillent un caviar, vendanger par Gignac, pour un gros moral sur un une deux de folie. Ils font parler la magie, mais pour le centre cordeau, il n'y a que Brandao. Tant pis, frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, lélé. Avant les chauffer, ils peuvent se casser les reins avec un seul crochet. Frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, lélé. Si t'as pas assez dans ton porte-monnaie, ils vont finir par se casser. Merci. On se bat, tous à 11 derrière. On arrache un point, comme d'habitude. On les gare sur un contre en bois. On peut même en prendre trois. Oh, comme d'habitude. Et on est là à la fin de la saison. Oh, on va bétonner comme d'habitude. Comme ça, on finira cinquième. Comme d'habitude, oui, comme d'habitude, en Coupe d'Europe, on va jouer avec le frein, oui, comme d'habitude, on mettra l'équipe, oui, comme d'habitude, on va s'économiser. Oui, comme d'habitude.
reste, c'est la priorité. Oui, comme d'habitude. Un don chaland, mais non pas charlatan, mais trop chaland quand on l'attend. Tes états d'âme sont pour moi certiques, loin de ce que ça fait de susique. Quand ton langage se veut poétique, le pathétique vire au comique. Et là tu rames dans ta dialectique, dans un désordre alphabétique. Si t'es un drame quand tu parles certique, quand tu joues c'est moins dramatique. Oui certique. Merci, bonsoir. Bravo. Dans la série des rois de la com, parce qu'on est toujours dans les rois de la com, bon, la chanson, le clip, je sais pas si vous avez vu le clip des joueurs du Paris Saint-Germain qui sont dit, allez, on n'est pas assez passé pour des cons sur le terrain, on va faire un clip. Mais bah, c'est super sympa. Mais c'est super sympa, ils font la tronche. Tu l'as vu le clip? Bah, évidemment. Ça donnait ça à peu près. Allez, Paris Saint-Germain, allez, on va au Turbin. Allez, il faut pas qu'on craque. Allez, donne-moi du Prozac. Merci. Non, c'est de la chambre de Ratos, parce que c'est pas vrai. T'as vu la tronche de Yundula? T'as vu la tête de Gamero? C'est sur Facebook, Alex. Si vous l'avez t'as vu la tête de Gamero? C'est pas vrai. Je te mets au défi qu'on regarde le clip et on compte le nombre de mecs. Il parle pas bien. Et on est à 80. De toute façon, le problème, c'est que. Non, c'est du chambrage gratuit. Cette chanson n'est absolument pas adaptée. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, mais c'est honteux. Parce que le problème, c'est que c'est comme pour l'entraînement. Il faut pas faire une chanson pour tout le monde la même. Faut une chanson par joueur, adaptée à chaque joueur. Par exemple, pour Jérémy Ménez, j'avais pensé à ça, moi. Je cours et je me sens toujours tout seul. Si je ne comprends pas, apprends-moi ton langage. Dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Je cours tout seul. Merci. Bravo, alors, quel bon choix. Mais quel bon choix. Alors, Momo Sissoko, par exemple, lui, il aimerait bien avoir ça. J'avais un marteau. Tu sais que ce que tu fais, c'est Olivier Lejeune le faisait au début des années 80. Mais ça tombe bien, la vie de la terre au commencement. Est-ce que tu fais Olivier Lejeune le faisait il y a 25 ans? Ouais, mais tu sais, tu te souviens d'Olivier Lejeune? Oui, mais en mieux. Et des disques où il faisait ça. Tu sais ce qu'on dit, non? Copier mais jamais égaler. Voilà, c'est ça. Et n'empêche que vous avez oublié qu'il y avait aussi un mec qui mérite quand même sa chanson. Celle-là, c'est pour Philippe Auclair. C'est Sia Katiené. Les bilingues ont compris. I just can't control my feet. Je ne peux juste pas contrôler mes pieds. Ah! 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 Y'a Joël Samy, Calvé André Louis, Thomas Mangani, Molo Bayasal. Ouh, ça descendra. La Nancy. C'est ce que disent les mauvaises langues dans ce pays. Mais c'est pas fini. Autant qu'il y a Jamel Bakar. Jamel Bakar. Je boirai toute la Meurthe si tu ne descends pas. Je boirai la Moselle si tu deviens le Barça. La Nancy. Ça descendra. C'est ce que dit l'autre abruti dans le CSA. Mais on va lui faire la coupe à Gilbert Brimois. Ouh. Allez. Les sirènes du Cop, la S Nancy chante encore. Oh, 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 les lumières du stade, la S Nancy font naufrager les habitants de la Lorraine. Et une fois, entre Rennes et Pornic, un petit garçon roux, fan de Gaël Dalic, il attendait de moi
une phrase magique. Je lui ai dit simplement, si j'étais président, si j'étais président du Brest Armorique, je rebaptiserais le stade Francis le flic. Bah quoi, c'est bien breton comme nom, Golf Persique. On aurait plein d'argent si j'étais président, si j'étais président du Brest Armorique. Je mettrais Omar Darbotien numéro 10, les mecs du stade Rennais en feraient une jolisse, on balancerait devant, si j'étais président, fesses-nos à l'habitant, moule et galette saucisse, du cidre à volonté, celui qui a un goût de pisse, à la Stival à fond, et les ultras qui vomissent, on s'éclaterait vraiment, si j'étais président. Merci, bonsoir. On a fait signer un drôle d'oiseau au PSG, un petit barbu tout rigolo au PSG, un énième Maradona qui nous vient du Napoli, mais son dribble c'est quand il titube en boîte de nuit. Une vodka Red Bull et une bonne bière, la troisième mi-temps avant la première. Pas vraiment le même style que Pastore au PSG, elle flaque d'eau un peu trop surcotée au PSG. C'est plutôt un genre pitbull, un animal très racé, mais avec la tête de Gérard défile à côté. Tension, le voilà, personne ne bouge, 5 minutes de jeu et carton rouge. Tout vous saurez tout sur la bêtise, le petit costaud, le jeune taureau, un peu rablé qu'à les petits pieds durs comme un roc qui tient le choc, mais les tatouages de hard rock. Tout vous saurez tout sur la bêtise. Attention, Gakao et l'égalisation. Nous à Monaco, on a le Gotha, on a un gajo, né à Bogota, c'est riz sur le gâteau, c'est pas un gâteau. C'est plus un tigre qui va te griffer si tu viens te frotter à ses pieds. Joe Falcao, Joe Monégasque, si tu lui donnes la balle coco, il te la met dans la lucarne. Joe Falcao, Joe Monégasque, il s'en fiche d'Ibrahimovic, il s'en fiche d'Ibrahimovic, il s'en claque comme Pierre Gignac, il s'en claque comme Pierre Gignac. Joe Falcao, Joe Falcao, le deuxième. Joe Monégasque, deuxième but, Falcao. En principauté, le prince en beauté a surplus les preilles, il a plus d'oseilles, mais y'a un Roscoff tout plein de Smirnoff qui met les sous pour acheter ses bijoux qui est trop chou et qui nous met à genoux. Hey, Joe Falcao, Joe Monégasque, si tu donnes la balle coco, il la mettra dans la lucarne. Joe Falcao, Joe Monégasque, il s'en fiche d'Ibrahimovic, il s'en fiche d'Ibrahimovic, il s'en claque dans des pierres Gignac, il s'en claque dans des pierres Gignac. Joe Falcao, Joe Monégasque, attention, Falcao et l'égalisation. Joe Monégasque, la casette et le bon gant ferme de Costil sur la frappe angle fermé de la casette qui essaie d'arranger les patgones au passage sur sa frappe. Un jour on l'a vu entrer dans le groupe avec Grenier. On a tous halluciné, on croyait que c'était Sydney. Le même côté virevoltant que Govou à ses 20 ans. Le même dribble chaloupé mais sans le remarranger. La même fougue, le même talent, le même côté enivrant. La façon de rester cool mais sans la vodka Red Bull. Un look branché à la mode, il se coiffe aux électrodes. Le même côté sûr de soi, mais sans le whisky coca. J'ai perdu la tête depuis que j'ai la casette. Je perds la raison quand il joue à la maison. J'ai perdu la tête depuis que j'ai la casette. Je perds la raison quand il joue à la maison.
intraitable en un contre un. Il peut même dribbler son chien. Après, le plus dur est fait, il peut tirer à côté. La technique de Ronaldo, mais qui aurait un pied beau. La vista de Mario Götze, qui serait borgne des deux yeux. Si vous voulez nous l'acheter, va falloir mettre le paquet. Et même s'il y a rien dedans, le geste c'est le plus important. À l'OL en ce moment, désespoir c'est le plus grand. Mais sur ses frappes certains soirs, c'est le plus grand désespoir. J'ai perdu la tête depuis que j'ai la casette. Je perds la raison quand il joue à la maison. Ouais, j'ai perdu la tête. J'ai perdu la tête. J'ai perdu, ouais, j'ai perdu la tête. Oh oui, la casette. Oh oui, la casette. Oh oui, la cala, la cala, la cala, la casette. Avec ce ballon qui laisse passer Grenier vers la casette, la casette qui tient debout, la casette toujours, encore, la frappe, elle est contre, deuxième tentative, et par Anderson, oh, c'était bien joué de la part de la casette sur ce coup-là. Il a tenté, mais il manquait peut-être un peu. Quand on joue de la babale samedi à Montpellier, ça swing à la Mosson. On se défonce, on y va, pas besoin de défenseur. Notre gardien, c'est un bon. C'est pas le style Van Breukelen. Les parades de Jourdray. Oui, mais c'est ça qu'on aime. Quand tu regardes Buffon, Casillas ou Valdés, en costard il se la pète. Geoffrey lui en soirée, il met peut-être un de pape, mais il garde son survêt. Mieux vaut les chôles, un tricot de corps, qu'un costard de chez Dior. Au moins c'est plus confort. C'est vrai que si tu croises dans une rue un peu sombre, ça tronche un mardi soir. Ça démarre chez son style, évadé d'un asile, tu peux faire des cauchemars. Il pourrait pas jouer dans Mad Men, c'est sûr, Geoffrey Jourdray. Oui, mais c'est ça qu'on aime. Quand dans un face-à-face, l'attaquant voit son look, il perd un peu la tête. Faut dire que c'est flippant, le jogging en coton rentré dans les chaussettes. Elles ont un côté anxiogène. Hop, derrière, mimole. Les parades de Jourdray. C'est bien capté par Jourdray. Oui, mais ça marche quand même. Tacle de Rio, Rio Mavuba, il ratisse bas, on dirait Makelele, mais sans son arthrite, ni sa flémite. À Lille, l'équipe c'est la star, l'entraîneur c'est Daniel Guichard, ils se marrent, se font la poire. Hasard c'est les blagues belges, de Mélo c'est la grande asperge, comme Rosenal. Wow, wow, fort petit chétif. C'est un peu le négatif de Florent Balmo, Rio Mavuba, quand c'est de là, au milieu fonce sur toi, tu pries pour qu'avec le ballon, ils embarquent pas ta cheville et ton talon. Hey, Rio, Rio Mavuba. Kamel Meriem, tu ne joues pas pour devenir champion, mais pour Arlavignon. Kamel Meriem, l'OM, la AS Monaco, en passant par Bordeaux,
carré, Flying, Vincent Planté. Il y a aussi Pavone, Piocelle et Da Silva, Kerr, Morgan, Yatara, qui sont plus nuls que toi. Kamel, Meriem, tu ne joues pas pour devenir champion, mais pour Arlavignon. Kamel, Meriem, l'OM, la AS Monaco, en passant par Bordeaux, pour finir dans le caniveau. Kamel, Meriem, tu n'es pas le nouveau Zinedine, mais l'éternel Asbin. Kamel, Meriem, Kamel, Meriem, tu verras, un jour tu finiras dans un club digne de toi. Kamel, Meriem, tu verras, un jour tu finiras. L'équipe de France pour être performant, pour gagner. Elle est belle, mon image en France. À l'étranger, j'en parle même pas. Eux, là, même si tu mets Ramayad arrière-gauche, ils vont dire qu'elle est meilleure qu'Evra. Faut qu'on tire tous dans le même bateau. Patrice Evra, Patrice Evra, un type un peu dribbleur et centreur, mais qui rate toujours à la fin. Patrice Evra, Patrice Evra, le capitaine du bateau Manu, qui rame et qui prend l'eau de partout. Quand dans son dos un attaquant part, il lui dit, m'attends pas, je serai en retard. Mais des autres, qu'est-ce qu'il a de plus? Bah une charrette au cul. Patrice Evra, Patrice Evra, la grande gueule de Georges Best et Kanto, le talent de Mendy et Taïwo. Patrice Evra, Patrice Evra, un boulard à la riste au Stoichkov avec les vannes de Han Roumanoff. Patrice Evra, Patrice Evra, la vitesse au galop d'Ourasi, mais juste après son euthanasie. Ce Che Guevara des autobus, révolté du Bounty et l'Unus. La pire occasion qu'il ait ratée, c'est celle de la fermer. Comment il s'appelle le tournevis là, Roland Tournevis là? Lui aussi sur RMC, qu'est-ce qu'il il fait que de parler? Moi, Ben Aïssa, je suis allé manger en plein Paris. Ma propre femme qui m'a dit, mais papa, c'est bizarre. Il a arrêté de vivre dans ce monde de la presse qui parle, c'est pas le peuple français. Patrice Evra. Yes. Il y a qui commande. South Winners, the MTP. Let's do this, Gangsta. Donne-moi tes cœurs, donne-moi tes chants marseillais. Donne-moi toute ta ferveur, tes tifos blanc bleu marseillais. Chante avec moi, je veux Jordan. Ayou, pour enflammer le vélodrome Jordan. Ayou, oui. Donne-lui ton cœur, donne-lui ton cœur marseillais. Et donne-lui ton cerveau, ça sera pas. Tu peux pour Jordan, Ayou, si on peut encore le sauver, Jordan, Ayou. Quand tu joues, j'oublie ton taux de but par match au fond de moi. Je me dis que c'est ton père que je mate et puis je sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu te retrouves en face à face, tu tentes une roulette à la Zizou complètement moisie alors qu'un bon vieux plat du pied ça aurait suffi. Et puis cette tête, quand tu regardes autour de toi comme si c'était de la faute à Payet ou à Valbuena. Mais qu'est-ce t'as dans la tête? Peut-être de l'oxygéné, c'est ça qui fait jaunir ta crête. Au Macumba, ça te fait un style trop méchant. Au Vélodrome, ça te met en jeu même sur le banc. Donne-lui ton corps marseillais et donne-lui ton cerveau, ça sera pas de trop marseillais. Donne tout ce que tu peux pour Jordan, Ayou, si on peut encore le sauver, Jordan, Ayou, hey, 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 hey. Complice
Le rapport de Amédée avec ses fils, avec André le génie, c'est fabuleux. Avec Jordan le petit, c'est nébuleux. Oh, celui-là, il mérite vraiment, baby, baby. Si je m'écoutais des fois, baby, baby. Crois-moi que la nature est mal faite. Et plus je passe en faire, plus je me dis que c'est un bébé éprouvette. Deux frangins qui se rencontrent, un seul qui se la raconte. C'est malheureux à dire, mais plus il vieillit et plus ça empire. Une bonne vieille claque à l'ancienne, c'est affreux, mais y'a que ça qui comprenne. S'il continue à la ramener, une bonne saison en CFA, tu verras, ce sera terminé. On parle avec le Jordan Ayou, peut-être le ballon récupéré dans l'entrejeu. Jordan Ayou, encore une fois, deux fois, qui a. Il va se prendre un carton minimum le jaune. Hein. Ouais. Attention, il a mis une gifle à. Un geste stupide, Jeannot, quand même. Hein. Oui, c'est de stupidité en stupidité, à un moment donné, il n'y a aucune circonstance atténuante. Parce que les stupidités, il les accumule. Danick, je viens pour jouer au foot, m'éclater en Champions League. Allô, ici y a plus de Olivo, on n'a plus de Juninho, on rame en milieu de tableau, on s'éclate à l'Olympique Lyonnais. Au moins on n'est pas dernier. Valenciennes, ça doit pas trop te manquer. Ils sont au fond du panier. Gaël Anik, Gaël Alou, Gaël Alain, Gaël Anik, Gaël Anik, Gaël Alou, Gaël Alain, Gaël Attends, je rêve. Tu blagues. C'est pas vrai. Allô. Moi je viens de Lorient, Valenciennes 3 et Guingamp. Allô. Benzia c'est pas Ronaldo, même s'il mange au McDo, au mieux il sera aussi gros. On s'éclate à l'Olympique Lyonnais, l'Olympique Lyonnais. Ta place tu peux la gagner. Y'a des jeunes mais ils sont tous teubés, et ils ont les pieds carrés. On s'éclate à l'Olympique Lyonnais, l'Olympique Lyonnais. Ta place tu peux la gagner. Y'a des jeunes mais ils sont tous teubés, et ils ont les pieds carrés. On était qu'un troupeau de chèvres sans franc Ribéry. Des brouteurs de pelouse à qui manque un berger. Et tu nous as ramené Ivra et Samir Nasri. Une fournée à blaireau, c'était l'arche de Noé. Avec une mode pareille, ça semblait improbable. Improbable. Sauf que toi et ta chatte, vous êtes inséparables. Inséparables. Deschamps éclate le barrage, défonce l'Ukraine au passage. Et même à l'arrache, nous on s'en fout, même sur un vieux péno ribou ou une main d'Olivier Giroud. Oh Calvados, corps de balèze, tête de Bordeaux. Il fait son trou au stade Malherbe du camp. Mais dans la pelouse, il fait les trous normands. Gardez votre fric, Paris Monaco. Notre Cédric restera Ajaccio. Quand tu débordes à l'infini, François Coty est en transe.
À Central, à Bernard Mendy, oh my god, sur un coup de chance, Cédric Angebarre, Angebarre, Cédric Angebarre, Cédric Angebarre, Angebarre, Cédric Angebarre, Cédric Angebarre, Angebarre, oui, c'est Cédric Angebarre. Quand t'arrives peinard, tu fais ton canard, mais y'a qui sur ta trajectoire, Cédric Angebarre, Angebarre, Cédric Angebarre, Cédric Angebarre, Angebarre, Cédric Angebarre, Cédric Angebarre, Angebarre. Et peut-être le but, ouais. L'équipe de France, il est signé Mamadou Sakho. Oh non, dans les pieds de Pogba. Oh non, peut-être dans les pieds de but. Et le but, et voilà, sur la frappe de Ribéry. Mamadou Sakho, Mamadou Sakho, Mamadou Sakho. Bonjour, bonjour, je viens vous présenter un nounours bien léché qui va vous enchanter. Costaud, puissant, il a les qualités pour vous désosser. Sans aucune méchanceté, il est un peu perdu quand tu lui donnes le ballon. Il dégage en tribune, il dit que c'était un forbon. Il est comme Dandé, comme Dandé, comme Dandé, comme Dandé, comme Dandé, sabots. Mamadou Sakho, une technique efficace et puis ça débarrasse. Comme Dandé, sabots. Mamadou Sakho, lui les pieds, il s'en fout, il marque avec le genou. Il est comme Dandé. Comme dans les, comme dans les, comme dans les, comme dans les sabots, Mamadou Sakho. Tampon et balayette, recoiffage de la crête. Comme dans les sabots, Mamadou Sakho. Si tu fais 20 kilos, tu vas voler très haut. Oh, 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 oh. Vive Mamadou Sakho. Paris, direction Rio de Janeiro. Mais sur ce coup, on passe pas sur un coup de cul, mais un coup de genou de Mamadou. Zlatan s'est fait ronalder par le grand Christ portugais. Nous on s'en fout, on a Mamadou. Cavani, Iniesta, Messi, Drogba, ça vaudra jamais Valbuena. Waouh, waouh, on vient tranquille pour s'éclater au Brésil et puis sans nos femmes. Jackpot, messieurs dames. Si avec Dimitri Payet dans le sens de réparation, le petit décalage, la frappe, oui. Et encore la parade, c'est pas terminé, une nouvelle frappe, et la sur la frappe de Gignac, frappe de Tova, parade de Niama, le manque de son Gignac, reprise de volée, et Niama qui arrête tout. Il est énorme ce gardien, c'est un truc de fou. Il est infranchissable, il est imperturbable. Si tu t'en crois capable, va donc faire ton cartable. C'est un coffre-fort, et jusqu'à la mort, il donnera son corps. Quand il déploie ses ailes, c'est un super eagle. Mais quand ça passe sur ses ailes, c'est pas super eagle. Il est nigérian, il néglige rien. Ses dogs ont la rage, oui mais lui c'est un Jésus-Christ dans la cage. Je sais que tu le kiffes, je sais que tu le renifles. Oui mais nous on garde super eagle. Mieux que la main de Dieu, car lui il en a deux. Retourne au catémaradona. Paras du bout du gant, pas très du goût du banc. Du gardien remplaçant qu'à la rage. Oh Enyama, Enyama, oh Enyama, oui Enyama, oh Enyama, Enyama. Et puis nous avons la surface, et le but, ça y est. Et on avait dit que ça serait un but pourri. C'est un but pourri. L'André Guémot et le contre d'Ajler Lillois. Vincent Enyama, il part sur la trajectoire du ballon, mais il ne peut rien faire. On se rapproche de la surface de réparation, on la met par-dessus. Zlatan n'est pas en jeu. Oh, l'autoroute acrobatique de Collet. Il est extraordinairement limite, mais en tout cas, il a réussi. Ballon bêtement perdu par Bakary Konel, défenseur rhodanien dans la surface qui a du mal à se dégager. Il est précis de la tête plus qu'avec ses pieds. Les relances à 35 mètres, faut pas rêver.
défenseur inamovible de l'Olympique Lyonnais. Mais au club, on aimerait un jour le voir bouger. Quand l'attaquant fait un appel, il part au quart de tour. La vitesse de la gazelle attachée, un tractopelle. Sur une roulette à la Zidane, un gars lui fait l'amour. Il lui fait la serpette de mangane, chacun son tour. Kone, 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 Bakary. Kone, 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 Bakary. Hey! Kone, 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 Bakary. Kone, 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 Bakary, Kone. Hey! Poi, poi, poi! Hey! Dans la tête de Rémi Garde, il s'est imposé. Surtout quand ses concurrents sont tous blessés. Quand tu fais Ouagadougou et Guingamp, c'est déjà dur de percer. Mais surtout Ouagadougou, Guingamp, c'est dur à prononcer. Hey! À l'Olympique, on l'appelle étalon lyonnais. Parce qu'il est puissant et balèze, pas parce que c'est le roi de la belle. Oui, à l'Olympique, on l'appelle le Chris Burkinabé. C'est vrai qu'il a le niveau d'un jeune retraité. Kone, 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 Bakary. Kone, 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 Bakary. Hey! Kone, 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 Bakary. Kone, 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 Bakary. J'ai pas Milan, Londres, Amsterdam, c'est plutôt Auxerre et Caen. Un vrai Kidane, un charisme et un physique qui font rêver entre Jallet, Abrouzès et Jean Calvé. Hé hé, tu le connais pas, mais si le mec qui joue à 3. Hé hé, ce milieu droit, ah mais c'est quoi son nom déjà? Ah, c'est Benjamin Ivet. Un gars super doué, mais pas très branché, c'est Benjamin Livet. Trop sympa et puis pas assez teubé, c'est Benjamin Livet. À Bordeaux, non, ça c'est Chalmé, j'arrête pas de me tromper, c'est Benjamin Livet. Non, c'est pas lui, c'est Coad, mais oui, qui joue à Saint-Té, on fait chier. Non mais on devait faire des chansons sur les stars du mondial. Là tu nous sors Benjamin Nivet. Là mais tu sors. Allez, au revoir. Quand tu es canari, t'es mignon, t'es gentil, tu veux pas faire mal. Non, avec la baba. Dans le cheval à Nantes. Les tacles en charentaise passent en profondeur et frappent en douceur. Mais les tafioles en short qui taille, il en avait plein les bottes. Il fallait un buteur en série et pour les buter, rien ne vaut la Serbie. Djordjevic. Oui, Djordjevic, ce soir sera la clé. La victoire pour les Nantais, on va tout chanter. Djordjevic. Oui, Djordjevic, un calibre pour les pieds. Plante tes miches, il est chargé. Mes enfants à Belgrade, sur les mines, tu gambades, tu joues au ballon avec une grenade. 4-4 devient en place, maillot short et famas, un appel de balle, sans gilet pare-balles. Ah. Oui, mais t'arrives à la Jaunelière. Et là, ça joue à la Marelle dans les vestiaires. Là, t'as sorti ta paire de douilles et tu leur as dit, secouez-vous la nouille. Georgie. Un jeune loup est entré un jour chez la vieille dame. Du souvenir de Zizou, il raviva la flamme. On ne vibrait plus pour un Frenchie.
depuis l'époque des Albi. Mais aujourd'hui, je m'en vais voir les petites frappes de Pogba. Dans ses montées, il me rappelle Vieira. Efficace, élégant, un véritable esthète. Même si un putois mort habite sur sa tête. Je m'en vais voir les petites frappes de Pogba. Il a déjà tué 3 goals de Serie A. Et je suis content, et je suis content, et je suis content, et je suis content. Si je suis compté, je suis content. Deuxième jaune pour Paul Pogba et carton rouge. Il applaudit l'arbitre de Tétin, Paul Pogba. Il régale chez les Bleus à la Thiago Motta. Dire qu'on a eu Guiavogui et qu'on doque bien. Ça fait froid dans le dos quand je le lis. Et même s'il se blesse, il y a Matuidi. Dieu merci. Je m'en vais voir les petites frappes de Pogba. De vrais missiles partent de son pied droit. La puissance de Taïwo, un détail toutefois. À ce jour, il n'a pas décapité d'ultra. Je m'en vais voir les petites frappes de Pogba. Sur la dernière, il a atteint Mach 3. Et je suis content, et je suis content, et je suis content, et je suis content. Si je suis compté, je suis content. Je m'en vais voir les petites frappes de Pogba. C'est Manchester qu'il a eu dans le baba. La Juve pour le garder fait bien la sourde oreille. Mais elle craquera aussi si Paris met l'oseille. La la la, les petites frappes de Pogba. J'ai pas rêvé de Reinaldo. J'ai pas demandé Gamero Oaro. C'est la misère depuis Pedro. Même si Zlatan a quand même fait le boulot. Mais comme on dit en Italie, quand le matador il met sa Napoli. Je vous le dis tout de suite, j'ai rien compris. Et on s'en fout, il est à Paris. Cavani Edinson, son, son, son. Cavani Edinson, son, son, son. Et le parc résonne, son, 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 son. Et lui ouvre ses bras, il lui ouvre ses bras. Cavani Edinson, son, son, son. Cavani Edinson, son, son, son. Et le parc résonne, son, 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 son. Et lui ouvre ses bras, il lui ouvre ses bras. De Dimeco, à part le bouc, Nucolong et Pento. Et quand il marque, il touche plus terre. Et pour un but, il vendrait sa belle-mère. Après Bueno et Lugano, les recrutements sur Montevideo. Fini les blagues, je veux un cador. Planquez vos miches, v'là le matador. Cavani Edinson, son, son, son. Cavani Edinson, son, son, son. Et le parc résonne, son, 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 son. Et lui ouvre ses bras, il lui ouvre ses bras. Cavani Edinson, son, son, son. Cavani Edinson, son, son, son. Et le parc résonne, son, 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 son. C'est la balle qui s'enfuit, tu t'en fous. C'est l'ambition d'être dans le ventre mou. Une place dans ton 15 et c'est tout. Tabanou, frappe du gauche comme un sourd n'importe où. Quand ton meilleur joueur c'est Capou, t'es pas prêt de finir au Camp Nou. Tabanou. Des gants lisses en peau de banane,
Et quand il plonge, il se fait un lumbago. Je viens te chanter la parade de Mika Landreau. Je viens te chanter la parade de Mika Landreau. Décisif à Nantes en finale, une Panenka et bravo pour Sochaux. Je viens te chanter la cagade de Mika Landreau. Je viens te chanter la cagade de Mika Landreau. Journaliste de l'équipe ou footmag, lâche-nous la grappe avec Steve et Hugo. Je t'offre un titre formidable, la parade de Mika Landreau. Je t'offre un titre formidable, la parade de Mika Landreau. Coupe d'Europe en quart de finale, Balane Odine, dégagement c'est cadeau. Je viens te chanter la foirade de Mika Landreau. Je viens te chanter la foirade de Mika Landreau. France-Écosse au Parc, tu joues ta place. Une frappe de loin, bah tout le monde là, même Bento. Je viens te chanter la plantade de Mika Landreau. Je viens te chanter la plantade de Mika Landreau. Vélodrome, un centre banal, fais pas de conneries, là on mène un zéro. Je viens te chanter la glissade de Mika Landreau. Je viens te chanter la glissade de Mika Landreau. C'est dommage qu'il joue pas au handball, dans sa cage comme un poisson dans l'eau. Il a la détente d'une dorade dans un carpaccio. Il a la détente d'une dorade dans un carpaccio. Ah oui, belle dorade, tu sais, mais qui saute bien quand elle est bien frite. Voilà, à peu près ce niveau-là. Après voilà, bon, moi j'aime bien, c'est un délire. Il est enclenché derrière Thiago Motta tranquillement, qui peut reprendre ce ballon et battre Rémi Rioux. Le ballon bien pris du pied gauche par Thiago Motta. Et le 3 pour le PSG. Même s'il est italien, comme je suis portugais, il parle avec les mains comme un vrai Milanais. Il est Vizla, fourbé élégant, un vrai lombard. Entre une feinte, une passe, un contrôle, discretos, un petit coup d'épaule. Prends ça, une roulette, une passe, un taquet. Oula, un petit mouet béquille dans le mollet. Oulala, Thiago Motta, l'élégance italienne. Motta, même quand il met des coups, Thiago Motta, la technique suprême. Motta, mais fais gaffe à tes genoux. C'est une Ferrari Pirlo, conduite par un Gattuso. Motta, c'est pas une Renault Twingo. Thiago Motta, parisien et fier. Motta, classe au taille milliardaire. La déviation de la tête finalement de Thiago Motta qui ne donnera rien, le ballon est pas perdu pour les Parisiens avec Alex qui l'a récupéré. Tu sors du goal et Albanig et Moulumbu. Quand t'arrives ce Rital aux accents brajoulous. Possible, si, difficile, molto, molto difficile. Un champion d'Europe qui succède à des champions du flop. Des fois le sein de format.
passion, c'est la quatrième dimension. Oula, c'est quoi ces passes millimétrées? Oula, ça va même pas sur un stadier. Oula là, Thiago Motta, vas-y cool mon frère Motta. On n'est pas habitué, Thiago Motta. Fous des grands balles en l'air, Motta, juste pour y aller par palier. Oublie pas que t'es en Ligue 1, l'important c'est les 3 points. Motta, respecte la culture des autres, Thiago Motta, parisien et fier. Motta, Cassota est milliardaire, Thiago Motta, parisien et fier. Motta, c'est une nouvelle ère, Motta, des Parisiens milliardaires, Thiago Motta. Tu suis fier d'être, d'être Olympien, donc voilà. Moi, l'OM, c'est ce qui me caractérise et c'est ce qui me ressemble plus dans ma personnalité. Et il n'y a rien de mieux que l'OM en France. Ready, les gars? Je vais parler de vous savez qui? Moi, ce que j'aime chez Valbuena, c'est son style Dolce & Gabbana. Avec le petit survêt coincé dans les chaussettes. Ouh. Moi, ce que j'aime chez Valbuena, c'est quand il met de la gomina, les pointes bien vers le haut pour qu'on le voit sur la photo. Valbuena, na 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 na. Oh Valbuena, na 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 na. Oh Valbuena, na 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 na. Oh Valbuena, na 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 na. Sur une confrontation directe et indirecte, et on va dire que tout le monde peut avoir sa chance. Il rebondit sur les mollets. Attention, ce but! Ce but de Mathieu Valbuena! C'est ce que j'aime chez Valbuena. Pop, 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 yeah! C'est son hammer from USA. Pop, 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 yeah! Il pourrait se faire un loft, rien qu'en habitant dans le coffre. Ouh, Valbuena. Et la fiancée de Valbuena. Et la fiancée de Valbuena. Et la fiancée de Valbuena. Oh 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 oh. Près d'elle il ne risque rien, Joséphine ange gardien. Ouh, 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 ouh. Valbuena na 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 na. Oh Valbuena, na 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 na. Ça va être le ballon récupéré par Valbuena. Valbuena devant Thiago Motta. Valbuena qui peut enchaîner avec la frappe derrière. L'enchaînement était parfait, sauf que le ballon est passé au-dessus. Na 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 na. Valbuena. Quand tu prends des gifles, forcément, tu apprends. Ça va faire la quatrième fois que le PSG marque deux buts face à l'OM au Parc en championnat. Après, c'est vrai que j'en ai pris pas mal et peut-être que j'en prendrai encore d'autres. Avec El Koulou, avec El Koulou, tout le monde s'éclate. Avec El Koulou, tout le monde marque. Avec El Koulou, tout le monde frappe. Avec El Koulou, tout le monde chante. Avec El Koulou, avec El Koulou. Avec El Koulou. Avec El Koulou. On va gagner. Avec El Koulou. L'Olympique de Marseille a une petite merveille. L'enfant de Yaoundé, 23 ans présumé. En avance pour son âge, ce lion qui a la rage casse tout sur son passage et va nous faire gagner. Avec El Koulou. Avec El Koulou. Avec El Koulou. On va gagner. Avec El Koulou. Arrivé à l'OM, venant de l'ASM, pour franchir un palier, pour encore progresser.
Mais la petite Marguerite laisse le club en faillite. Les Russes qui ont du fric, ils sont sur le rocher, tant pis. Ah, ah, avec Nkoulou. Ah, ah, avec Nkoulou. Ah, ah, avec Nkoulou. On va gagner avec Nkoulou. Ah, ah, avec Nkoulou. Ah, ah, avec Nkoulou. Ah, ah, avec Nkoulou. On va gagner avec Nkoulou. Ce soir, je viens vous présenter deux animateurs de côté, Van der Ville et Van Arnon. On les voit souvent déborder quand la balle est de l'autre côté, Van der Ville et Van Arnon. Ce soir, nous irons chanter pour Van der Ville et Van Arnon. Ce soir, nous verrons s'entrer Van der Ville et Van Arnon. Une technique parfaite, balle au pied, il enchaîne les passes en retrait. Van der Ville, sans Van Arnon. C'est l'arme fatale, on le sait bien, sauf qu'il l'est fait à son gardien. Van der Ville, sans Van Arnon. Ce soir, ce soir, nous irons chanter. Woo! Van der Ville, sans Van Arnon. Sans Van Arnon. Ce soir, nous verrons s'entrer. Van der Ville, sans Van Arnon. Ouais. Même avec écharpe et bonnet, ils se font souvent enrhumer. Van der Ville et Van Arnon. Le pays du Gouda s'inquiète, y'a des trous dans la mimolette. Van der Ville et Van Arnon. Ce soir, nous irons chanter Van der Ville et Van Arnon. Et Van Arnon. Ce soir, nous verrons chanter Van der Ville et Van Arnon. Après Reitziger et Newman, là les Taïwo de Amsterdam. Van der Ville et Van Arnon. Leur vrai nom à n'en pas douter, c'est Van de face et Van de côté. Van der Ville et Van Arnon. Ce soir, nous irons chanter. Ils vont chanter. Van der Ville et Van Arnon. Ce soir, nous irons chanter. Oui, chanter. Van der Ville et Van Arnon. Ce soir, nous irons chanter. Van der Ville et Van Arnon. Ce soir, ce soir, nous irons chanter. Nous irons chanter. Van der Ville et Van Arnon. Et Van Arnon. Et Van Arnon. Grenoble, c'est pas vraiment la cantera. Là-bas, qu'on t'apprendra, c'est dribbler entre les fourbons, courir vite, pousser les ballons, si t'es à fond, être un bon tout droit. En effet, c'est encore moi la cantera. Le foot, c'est pas trop ça. Un bon nul, ça suffira. Mon Baers, lui, il s'en contentera. C'est pas vrai, quelle tannée. Barre-toi dans un club, un vrai, le club à vrai. Henri Bérimo, Henri Bérimo, comment t'as fait après tout ça pour finir ici? Henri Bérimo, Henri Bérimo, c'est pas si mal d'être avec des vrais joueurs aussi. Avec l'on t'es intraitable. Celui qui veut te passer, qui reprenne son cartable. Et quand tu files à fond sur un appel du côté droit, tu passes en un contre un presque à chaque fois. Avec les lions, t'es indomptable. Quand le gibier d'en face arrive, tu passes à table. Les éléphants, les aigles, les étalons du Burkina, tu les manges en brochette, ma fille, où y'a ça? Henri Bérimo, Henri Bérimo, comment t'as fait après tout ça pour finir ici? Henri Bérimo, Henri Bérimo,
Vous compreniez c'est autre chose que José Cardi. Henri, mérite-moi. Henri, mérite-moi. Comment t'as fait après tout ça pour finir ici? Henri, mérite-moi. Henri, mérite-moi. C'est pas si mal d'être avec des vrais joueurs aussi. Je suis tout catal et je m'appelle Rémi. Et je me sens seul même pendant la causerie. Dans ma tête à moi, on est tout plein d'amis. Dans l'hyperespace, je suis le Pichichi. Venez avec moi, au nord du Sunderland, y a le microclimat. Des côtes du Groenland, les passes de Gouffran, le jeu d'Alan Pardew. Touche pas le tabouret, j'ai déjà la corde au cou. Adieu Paul Gascogne, Keegan et Magic Chris. Moussa Sissoko joue en numéro 10. C'est un bon tremplin, c'est connu Newcastle. Frotter au savon noir pour mieux se casser la gueule. Je suis dépressif et je m'appelle Rémi. Vivement le Brésil, le ciel y est moins gris. Après ça je me tire, enfin si j'ai du pot. Il libère un otage à tous les mercato. Ici la French Touch, c'est pas de l'électro. C'est des joueurs en bois à 10 millions d'euros. Cabaye est parti, il est pas adapté. Mais c'est quoi cette maille de faire des passes dans les pieds? Je suis dépressif et je m'appelle Rémi. Et je me sens seul même pendant la causerie. Dans ma tête à moi, on est tout plein d'amis. Dans l'hyperespace, je suis le Pichichi. Repousse là-bas les moules café, Siri gou, 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 repousse là-bas les moules café, repousse à gauche, repousse à droite, repousse là-bas les moules café, sur un centre, sur une frappe ou sur un coup de pied arrêté. Ce palermitan m'a pas l'air à mi-temps, il m'a pas l'air miteux, son parler mais pas autant. Et s'il parle avec les mains, comme à Palerme un Romain, sur un beau ballon lobé, ses doigts sont jamais bouche bée. A connu au bataillon, on l'a pris pour un bouffon, mais chaque soir il nous étonne, et on le prend pour bouffon. Siri, gou, 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 repousse ta baba les moules café. Siri, gou, 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 repousse ta baba les moules café. Repousse à gauche, repousse à droite, repousse ta baba les moules café. Sur un centre, sur une frappe ou sur un coup de pied arrêté. Siri, gou, 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 repousse ta baba, mais qu'est-ce que tu fais? Siri, gou, 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 si tu la captes pas, dégage du pied. Et tape à gauche ou tape à droite, mais tu vois pas qu'il faut dégager. Siri, gou, 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 gou. Bon, on va mettre Nicolas Doucher là. Mais oui, non, mais t'es marrant, toi, attends. Au début, alors c'était machin, alors point Romain, je ne sais quoi, mes couilles. Et voilà, maintenant, ça y est, voilà, c'est n'importe quoi. C'est... Et alors voilà, il y a Diego Silva, et puis tout le monde fait n'importe quoi. Donc la fin de saison, ça part en autre vilain alors. Oui, bah fais gaffe, mon petit père, parce que tu files un mauvais coton. Moitié homme, moitié ballon. Surgit de la planète Macron. Griezmann, Griezmann, ensoleille notre hiver. Audacieux même capillairement, cheveux jaunes assortis aux dents. Griezmann, Griezmann, ça vire un peu au vert. Débute en série, qu'il célèbre à Paris. Mais si t'es au Havre, Griezmann, allez hop un taxi. Pour la France, t'étais trop rasmotte. On t'a préféré des Golgothes. Griezmann, plus Gulli que Gulliver. En France, on t'avait réformé. Pour des pieds pas assez carrés. Griezmann, l'Espagne t'a déformé. Moitié homme, moitié ballon.
surgit de la planète Macron. Griezmann, viens dans notre univers. Costaud bien en place, à 10 dans la surface. Griezmann, en Ligue 1, tu n'aurais pas ta place. Bah non mon pote, t'as pas ta place en Ligue 1. Trop technique, trop petit, trop vif. Pas assez bourrin mon pote. Faut taper, faut être du costaud. Bien en place, à 10 derrière, l'important c'est les 3 points. Merde, on t'a pas pris ça à l'école. Bah oui mais mon vieux, t'étonnes pas après d'aller dans un championnat de portugais. Voilà. Merde. Rendre hommage à un joueur de la Tunisie qui évolue à l'AS Monaco. Vous savez très bien qui c'est. Hein? Il court à Ibn Abdenou, même quand il est dans le vent ou qu'il arrive à contre-temps. Il tente une frappe hyper puissante qui vole au-dessus des dunes et atterrit dans les tribunes. Impérial dans les airs, élégant, sobre et classe. Il fait parfois souffrir quand il vient vous tacler. Il fout droit dans la nuque cet adversaire qui passe et qui n'oubliera plus ce crampon qui volait. Il court à Ibn Abdenou, même s'il est un peu lent comme un vieux de 77 ans. Il tente une relance insolente à une touche dans les pieds d'un adversaire ou d'un stadier. Quand il quitte le stadium et son ambiance de braise, il découvre les flammes de l'enfer de Louis II. Une ambiance électrique, véritable fournaise. C'est mieux qu'un 12e homme, car des fois, ils sont 13. Il court à Ibn Abdenou. Après l'or et la gloire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il chante l'ambition grandissante du Real, rêve de gosse, Valladolid ou Saragosse. Merci. Oh, dites-moi d'où il vient. On m'a dit qu'il est bordelais et international malien, mais j'ai du mal à le cerner. Est-ce qu'il joue des pieds ou des mains? Est-ce qu'il est gaucher ou droitier? Même si t'as des potes dans le gradin, c'est pas vers là qu'il faut viser. Dis-moi, où est ton pied droit? Dis-moi où est ton pied droit? Si au bout de ta jambe t'as un pied, dis-moi quelle forme il a. Oh sacré pied droit, est-ce qu'il serait pas carré des fois? Non parce qu'on comprend pas mon gars, où la balle va. Hey, Où t'es, Cheikh Diabaté. C'est qui a tiré ce penalty, Jeff? C'est Cheikh Diabaté. Bien sûr, et heureusement pour les Bordelais. Cheikh Diabaté, le Malien qui s'apprête à donner peut-être l'avantage décisif. Ah. C'est parti, et c'est détourné. Et occasion ratée pour Cheikh Diabaté. Quoi? Qu'on y croit ou pas, arrive un jour où on n'y croira plus. Qu'on frappe du gauche ou bien qu'on frappe du droit, il faudra bien un jour qu'on marque un but. Sera-t-il dans la lucarne?
détourné par Mangane, frappe écrasé, centre raté, à l'arracher avec le bout du crâne. Et dis-moi tu, ouais toi tu sais comment on fait pour tacler, mais personne sait comment on marque un but. Monsieur je sais tout, il sait le superflu, c'est ça, la balle au fond c'est du mytho ou quoi? Dites-nous si quelqu'un le sait les gars, parce qu'à Chabandelma s'en va, craquer cette fois, hey. Où t'es Cheikh Diabaté? Où t'es Cheikh Diabaté? Où t'es Cheikh Diabaté? Où t'es Cheikh Diabaté? Qui t'es Cheikh Diabaté? Qui t'es Cheikh Diabaté? Qui t'es Cheikh Diabaté? Qui t'es Cheikh Diabaté?